Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Peracia. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 11 de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 1. Les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, pour ma part, les amis, je vais très bien. Oui, ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu d'épisode de ce Let's Play. Alors, il y a eu plein d'autres Let's Play entre temps qui sont arrivés sur la chaîne, que ce soit Mario Bros Wonder, etc., etc. Donc, c'était compliqué de proposer des vidéos d'un Reloaded ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, les amis, aujourd'hui, on va pouvoir continuer notre aventure. En tout cas, terminer le premier monde avec la dernière galaxie du Dôme Terrasse. Parce que c'est au niveau de l'épisode précédent, on avait continué notre aventure. Hein, il me semble que dans l'épisode précédent, on avait fait la mission de la Goinfre Luma. Donc voilà, c'est cette partie-là. Donc écoutez, aujourd'hui, on va continuer. Voilà, donc on avait fait la petite mission avec la Goinfre Luma. Donc elle est là-bas, normalement. Voilà. Et du coup, let's go. Alors oui, ça fait au cas où un petit moment que je n'ai pas touché au jeu. Donc écoutez, ça fait plaisir de revenir. Tout simplement d'y revenir. Tu as reçu une lettre de la princesse Peach. Cher Mario, je me trouve dans un endroit très très lointain. Mais je vais bien, car je sais que tu viendras me sauver. Et j'espère que ce sera... que ce que j'ai joint à cette lettre sera utile, signé Peach. Putain, vraiment, la lettre est trop différente que dans le deuxième Mario... Galaxy. La lettre est accompagnée de 5 champignons. Bon, tu les veux, je les prends, bien sûr. Oh, princesse même prisonnière, elle pense toujours aux autres. Allez, à la prochaine. Et du coup, voilà, on avait fait du coup le petit niveau ici avec la Goinfre Luma. Et donc, les amis, aujourd'hui, on va tout simplement s'attaquer au dernier niveau du Dôme Terrasse. Voilà, donc écoutez, hein, dans lequel on va pouvoir affronter du coup notre premier gros boss. Ah, donc on avait fait ça. Non, c'est pas du tout ce que je voulais. Et du coup, aujourd'hui, on va s'attaquer tout simplement à notre nouvelle galaxie qui est là. L'usine de robots. Voilà, avec une seule étoile. Donc on y va. On y va. Le gros truc à trois pattes. Le fameux gros truc à trois pattes. Évidemment. Bon, on va y aller. Alors. Tac. Merci. Vas-y. Alors, il y a des pièces, on s'en fout un petit peu. C'est pas du tout ça que je voulais. Des fragments étoiles, je dis pas non. Tac. Et voilà. Let's go. Hop. Alors te voilà, inutile de déranger papa pour se débarrasser de toi. À l'attaque, Mégapode. Montre-lui l'étendue de tout pouvoir des grandes étoiles. Hey. Ok. Normalement, voilà, ici il y a des fragments étoiles, j'aimerais bien au moins tous les avoir. Donc il m'en manque combien là? 1, 2, 3. Ok, bon, il m'en manquera 3 trucs. Vas-y. Merci. Allez, viens. Ah bah super. Oh non, mais c'est vraiment une blague. Je me suis vraiment fait baiser par... par le boss. Super. Bon, après, honnêtement, il me semble que on peut faire. Hop. Ah, ça a pas voulu. Ok. 1, 2, 3. Dommage, ça veut pas. Mais pourquoi il veut pas? Ouais, je sais pas assez haut, peut-être. Mais pourquoi il veut pas? Bah parce que je pense que vous avez compris ce que je veux faire. Je veux utiliser le petit bug. Mais le petit bug, il est compliqué ici à chaque fois.
Non. Oh, peut-être il y a un angle précis à avoir. Peut-être si on le fait comme ça. Fuck. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Ah mais c'est une blague. Il me semble qu'il faut un petit peu avancer. Genre être proche du... Non, c'est pas ce côté. Pas ce côté. Donc on va essayer ce côté là. Et sinon on va essayer le côté inverse. Si ça marche pas, bah on fera la soluce normale hein. Non. Et du coup bah on va faire la soluce normale. On va faire, enfin, hop, voilà. On va essayer une dernière fois. Oh putain, mais avec les monstres, on va pas s'en sortir. Merci. Et voilà, on a réussi. On a réussi. Donc ça c'est un petit bug, hein, au cas où on n'est pas censé faire ça comme ça. C'est bizarre qu'ils ont... Alors, c'est peut-être fait exprès, mais... Alors du coup, faut activer le trigger, mais je sais pas où il est le trigger. Et le trigger. Non, il est pas là le trigger, mais il est où le machin? Parce que normalement, il faut activer un trigger. Ah, il est là le trigger, il est là, voilà. Il était là le trigger. Oui bon, ça tu me l'as déjà dit 50 000 fois. Tech. Ah mais je crois, mais du coup utiliser cette technique, ça skip les fragments étoiles en fait. Je viens de m'en rendre compte que maintenant, mais bon tant pis. Tant pis, tant pis, c'est fait. Ah, rien. Ah, c'est vraiment abruti ce truc, ce système. Ouais, il faut faire attention là où c'est sombre. Vas-y. Hein. Merci. Allez. Plus que 4. Allez. Merci. Plus que 3. Ok. Plus que 2 normalement. Hein? Ah non, plus qu'un. Ouais, c'est plus qu'un seul, donc j'ai rien dit. Comme quoi j'étais plus rapide. Allez. On va éviter de se faire réécraser, ce serait un petit peu dommage. Et après on va pouvoir monter et affronter le boss tranquillement. Merci. Allez, let's go. Ah putain, évidemment. On va attendre que... Voilà. Et du coup c'est parti. Hop. Yahoo. C'est bon. Ok, one more left. Oh. Non mais c'est une blague. J'ai presque réussi. Il a mal atterri en fait. Tac, voilà, et tu fais ça. Vas-y. Et voilà, on a réussi. On l'a eu, on l'a eu. Bon ben nous avons notre étoile, enfin. J'ai mis 10 minutes pour rien, mais... Et nous avons notre super grande étoile. Let's go. Là, ça sera notre deuxième, normalement.
Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge. C'est là-bas qu'on se rendra dans l'épisode prochain. Galaxie complète. 84 fragments étoiles. Une nouvelle galaxie a été découverte. Oh, même deux nouvelles galaxies. Voilà ce qu'on appelle le brasier. Son intensité est proportionnelle à l'énergie dont dispose l'observatoire. La puissance des grandes étoiles que tu récupères, lui, est restituée et alimente sa puissance stellaire. Cette force permet à l'observatoire de la comète de parcourir l'univers. Si nous recouvrons toute notre puissance, nous pourrons même nous rendre au cœur de l'univers. Oh, un nouveau dôme s'est mis en marche. La salle de bain. Nous appelons le dôme qui vient de s'ouvrir la salle de bain. Comme tu l'as pu le voir, la carte n'indique pas seulement la position des dômes, mais aussi celle des galaxies découvertes ainsi que toutes sortes d'informations utiles. N'hésite pas à me demander si tu ne parviens pas à trouver un dôme. Mais écoutez, on va pouvoir du coup s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera pour l'épisode 12 dans lequel on ira s'attaquer à notre prochain dôme tout simplement. Donc évidemment notre deuxième dôme. Merci en tout cas de m'avoir suivi cet épisode du coup numéro 11 de notre aventure 100% sur Super Mario Galaxy 1. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.